Voilà, pour tout cela, je vous présente Destiny 2, les sortes ultimes, surtout les trois. Alors le Titan, le Chasseur et l'Arcane, les trois ultimes, les sortes pétées, surtout le plus puissant Arca, le plus puissant. Le Chasseur, c'est plus attaque de zone, avec sa flèche qui est extrêmement utile. Et justement, je vous présente aussi le Titan qui va être aussi extrêmement puissant et résistant au niveau des dégâts. Alors voilà, je vous fais montrer tout de suite une petite vidéo sur Destiny 2 pour ceux-là qui adorent le jeu. Le personnage qui s'appelle Laka est extrêmement puissant, alors il fait des attaques abyssales. Il est extrêmement puissant, surtout quand il a son casque Rhino, alors un casque exotique qui permet de lancer une grande bombe Nova. Et alors c'est un seul travail, il balance une grande bombe Nova, il expose tous les ennemis autour et c'est extrêmement puissant. Alors ça peut one-shot des ennemis et ça peut blesser vraiment des boss et tout ce qui est autour ça éclate et je te vois récupérer son super.
il permet de résister, quand il met son ultime, de résister à plusieurs attaques. Il est extrêmement résistant. Par contre, quand il lance ses marteaux de feu, il fait un peu moins de dégâts que certains personnages, mais il est extrêmement puissant, résistant. Et quand il lance une grenade, il régénère sa santé, ou quand il frappe de mêlée, il récupère sa santé, et il est extrêmement résistant quand il active. Sa capacité, c'est de se mettre invisible. Sa capacité, c'est aussi récupérer des munitions en chargeur dès qu'il fait une esquive. Alors, je vous présente le chasseur. Le chasseur, il a des jambes exotiques, justement, pour la flèche, qui permet, en fait, quand vous tirez une grande flèche, une grosse flèche, tac, ça touche les ennemis. Le principe, c'est que dès que les ennemis sont encerclés beaucoup, il y en a plein qui meurent à cause de la flèche des ennemis, ils récupèrent cette...